C'est au cœur des communautés reculées et défavorisées de la région de la Sava que nous avons créé en 2018 l'ONG Benesker. L'ONG existe dans le cadre du groupe BNS qui a développé un partenariat sur le long terme avec ses producteurs. L'objectif est d'inclure chaque membre du groupement des Okitra dans notre démarche de commerce équitable. Aujourd'hui, chacun accède à des soins dignes de ce nom. Kandien ati nazo électricité, nazo rano, nazo table d'accouchement, ma pek sad marchar sad ponche am kalte tsara tsabin. Ce projet de réhabiliter et d'agrandir ce centre dans ce village y a pu être mené et réalisé grâce à la participation effective de l'ONG BNS Care par l'appui financier qu'elle a apporté. D'une petite case en bois non sécurisée, l'école s'est vue dotée de murs en parpaing du sol au plafond, créant ainsi un édifice robuste qui saura durer dans le temps. Marie Kizang Mitiana demande à l'école. Chaque année depuis, nous procédons à la distribution des fournitures scolaires à tous les enfants. Nos interventions se caractérisent par la mise en place de structures locales pérennes afin de garantir la continuité des actions engagées et renforcer la capacité de la population à produire une belle vanille en toute sérénité. Afin de s'engager plus loin dans le commerce équitable, Roberté via BNS a obtenu en 2021 l'attestation Fair for Life, garantissant les bonnes pratiques sociales, éthiques et environnementales portées par ce label. Pour l'ensemble de ces projets, BNS Care travaille en étroite collaboration avec les autorités et évalue les besoins auprès de la population locale. Cette belle vanille, dont nous sommes fiers, permet à Roberté de produire de beaux extraits grâce aux filières équitables dans le monde entier.